Hey yo tout le monde, c'est Yann Fun, comment allez-vous? En tout cas moi ça va super comme d'habitude. Donc là on se retrouve sur GTA 5 pour les véhicules numéro 37. Donc c'est le Dubsta 6x6. Donc c'est pareil, c'est un Mercedes classe G. Ils l'ont sorti hein. C'était un concept car je crois, ou j'ai plus trop quoi. Il est pas sorti en civil, mais ils l'ont réalisé celui-là en vrai. C'était un Mercedes classe G, c'était le même mais en avec 6 roues. Il y en a beaucoup qui pensaient que c'était un truc inventé de toutes pièces exprès pour le jeu, mais non, c'est vraiment c'est un véhicule réel quoi. Donc après il restera le Huntley S que j'ai pas fait. Et ça c'est les deux les moins intéressants. Et puis il y a aussi la camionnette que je la ferai pas, c'est la merde. Y'a rien d'intéressant. C'est la camionnette avec le requin sur le côté là qu'il y avait dans le DLC plagiste. Ça c'est rien à faire dessus. Taste. C'est vrai qu'il est cool quand même. Mais je vous dis tout de suite, il y a toutes les modifications qu'il y a à faire sur le Dubsta 4x4. Ils sont pas sur le 6x6. Donc forcément, c'est beaucoup moins intéressant. Il va voir lui. Oh, il s'est fait peur lui. Moi j'aime bien le logo de la marque, c'est un diamant. C'est le bénéfacteur de la marque. Ah c'est bizarre, je roulais tout de suite, la montagne elle changeait de forme. Ou c'est un effet de brouillard ou je sais pas quoi. Ça foutait les boules. On verra peut-être dans la vidéo, je sais pas, la montagne elle changeait de forme carrément. Oh je suis pas invité moi. Bah gentil, un barbecue. Ah ils m'ont pas invité les salopards. Alors ça c'est vu que c'est un 4 roues motrices à 6 roues, donc en gros c'est un 6 roues motrices. Donc en gros ça monte bien les côtes, hein, je peux vous dire. Merde. Il y a quand même quelques trucs à faire. Donc les freins. Alors les pare-chocs. Bon, on a les mêmes pare-chocs. Hein. On a les mêmes que dans l'autre. On a un pare-buff noir et Troy. Ah, on va mettre un pare-buff Troy et phare. Une à l'arrière. Un pare-choc arrière chromé et un noir mat. Donc on va mettre le chromé. Moteur niveau 4 calandre, alors maille ça on va mettre la calandre chromée, le capot tout terrain avec la roue, c'est vrai qu'il a de la gueule aussi celui-là. Alors le klaxon d'origine, ouais on va mettre le klaxon de camion, même si je pense pas qu'on s'en servira, mais on saura. La plaque jaune sur bleu. Peinture. Bon, on va aller mettre la même couleur que l'autre, donc l'autre on l'a mis. Je sais plus si c'était jaune en principal et bleu en secondaire. Ou l'inverse. Non je crois que c'était jaune en principal. Alors, bleu ultra. Ah les bleus ils sont tout au fond. Ils auraient dû les ranger par par ordre alphabétique. Alors le toit.
Galerie, projecteur, mettre cela. Oui, il y a déjà moins de choix que sur l'autre. Bon, mode de série, vu que c'est un 4x4. Transmission de course. Turbo. Les roues. Alors, tout terrain. Ah, de près, ça devient flou. Ça fait bizarre là. V12, ah ouais, ok. C'est un V12 le bordel. Donc. Alors, bah celui-là, tiens, allez hop. Son balarasse. Bleu. Bleu vif. Accessoires, pneus custom. Épreuve des balles, les fumées de pneus bleus, allez. Merde. Les roues, donc les fenêtres en noir, voilà, et donc on a fini. On a fini juste à temps là, il commence à faire mid. Je sais pas si les... si on fonce dans les compétences là, elles explosent. On va essayer de tirer dessus pour voir. C'est vu que c'est des vieilles, compétences, je sais pas si elles sont toujours en service. Ah si, d'accord, donc c'est. Comme ça, on le saura. Donc on va faire le saut. Ah ouais, ok. J'ai bien mis deux. Deux packs. Deux packs. Alors. Ouais, vous voyez, c'est beaucoup moins intéressant que. Bah, que le Dubstar 4x4, quoi. Si, il est juste bien parce qu'il a 6 roues, c'est tout. Il a fait un carton celui-là quand il est sorti quand même. C'était le truc le mieux du DLC 1.4, enfin je trouve. Quoi. Merde. Donc on refait le sous là-haut et c'est parti. Oh, parfait. C'est vraiment le saut parfait là que j'ai fait. Alors. On va faire le saut là-haut. Donc on y est. Un coucher de soleil, là c'est beau. Gis Squag. Ah, oh, je sens pas. Oh, le panneau. Oh, allez, sur le toit. Oups, alors eux. Eux, ils ont eu de la chatte, comme on dit. J'ai failli leur tomber sur la pente. Donc voilà. Donc les gens, on se retrouvera bientôt pour les véhicules numéro 38. Salut.